responsable du projet, j'ai fait appel à différents services chez HMY. Les principaux étant tout d'abord le design pour la création du concept, puis le service communication visuelle pour tout ce qui est lancement, fabrication des éléments imprimés, le service technique bureau d'études pour la partie structure aluminium et éléments bois, et puis le service montage, puis conditionnement, et enfin le service transport. L'avantage de ce projet, c'est qu'il est conçu pour être réutilisable à, je dirais, à l'infini. Il a fallu mettre tout le monde autour de la table, le client avec, pour que tout le monde puisse communiquer au plus rapide et tenir ainsi les impératifs de délai et de tarif. Le déploiement en termes géographiques s'est fait au niveau national, y compris les DOM-TOM, et il s'est fait sur plus de 100 concessions sur une semaine. On a deux nouvelles voitures dans notre gamme, EX30 et EX90, deux nouvelles 100% électriques. Aujourd'hui, les voitures sont commercialisées en concession, mais elles ne sont pas encore présentes en concession. Donc on avait besoin de présenter le design de ces voitures à nos clients. On avait vraiment besoin de montrer la taille de nos voitures. Donc ça, c'était vraiment les contraintes de départ. Et on a vraiment voulu que ces PLV incarnent les valeurs de marque, à la fois 100% électrique et sécurité, pour présenter la nouvelle R Volvo à nos clients. Peut-être nous intéressait parce qu'elle est à la fois démontable et remontable. Elle n'est pas trop lourde, donc elle peut être déplacée en concession. Et à la fois, elle s'intègre vraiment dans le design très suédois de nos concessions. Et en même temps, on avait ces PLV en carton qui nous permettent d'expliquer tout le discours de la marque et le discours de nos voitures. C'était une bonne complémentarité entre le design d'un côté et le discours de l'autre sur les PLV en carton. Ils ont réussi à trouver les bonnes réponses pour nous, à la fois dans le timing et dans les coûts et dans le budget qu'on s'était donné. Donc on est très contents de ça, et les concessionnaires également, ça répond tout à fait aux besoins qu'on avait initialement. On est très contents de l'accompagnement d'HMY sur ce projet.